l'Union des syndicats et des travailleurs des zones aéroportuaires du Gabon ont animé un point de presse hier à Libreville. La trêve sociale était à l'ordre du jour de cette rencontre. Esmine Kayumba et Gérard Mihindou y étaient. Cette déclaration de l'Union des syndicats des travailleurs des zones aéroportuaires du Gabon est une invite au gouvernement de la République à améliorer le climat social du Gabon, actuellement marqué par des grèves. Nous, les travailleurs gabonais, nous entendons en ce moment la mise en place effective du Conseil national du dialogue social. Que les organes consultatifs du travail, des salaires, des comités sécurité santé au travail puissent être mis en place. Toutes ces préoccupations, une fois balayées, de manière concertée, on va voir s'il y a lieu d'aller à la trêve sociale. Mais nous pensons que le dialogue social est suffisamment mieux encadré, normé, non seulement par le BIT, mais également au niveau de la sous-région, où tous les présidents ont fait une étude de faisabilité. On n'attend plus que des actes. Ici, au siège de la COSIGA, le secrétaire général de ce syndicat et ses collaborateurs ont également abordé les points concernant la retraite des agents, désormais fixée à 65 ans, ainsi que la révision du Code du travail.